Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Dead Island, deuxième du nom. J'espère que vous allez bien, on se retrouve à Santa Monica. On va aller faire la quête qui nous est proposée, on en a deux. Bouteille à la mer, utiliser le message de bouteille pour trouver le critique culinaire arrogant. Il faudrait que j'aille royer vite fait à mon avis. Ah, ça baronne. Meurs, salope. Ah oui, bah à quel point ils étaient protégés. Tac. Inventaire plein. Ouais, je suis plein craqué, ça y a pas à dire. On est plein de choses. Faut vraiment que j'aille me TP que j'essaye de retrouver comment dire un marchand. Pour aller vendre des objets, acheter des fils. Est-ce que ce serait pas là le bucket fish, Carla, ouais. On the case. On the case. Voilà. Hello. Anyone in here put a message in a bottle? Madame, vous êtes morte. Oh. Je me doutais bien que c'était ce restaurant-là. Il ne faisait pas de doute. I hate the smell oh, of non. fish, even when it's fresh. Ouais, c'est là. On est d'accord qu'il n'y a plus de piège, voilà. Je vérifie mes arrières. Ah, la vache. Il y avait un truc qui a explosé au sol, je sais pas trop ce que c'était. L'objet à lancer. Bombe chimique. Voilà, on va calmer les ardeurs très rapidement. Il ne manque plus qu'un objet à lancer. J'ai peut-être manqué, hein, chez les marchands, il faudrait que j'aille vérifier. Ah ouais. En fait, il y avait une plaque de pression avec l'électricité, puis ça a déclenché une réaction en chaîne. Ouh là là, fait vachement sombre là-dedans. D'accord. Il y a des pièges de partout, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais, à mon avis c'est la valve. Pas. Je passe où les gaines? Je passe où les gaines? Je meurs. Je me raccroche à la vie. He went to find something else to eat. That's fair. Alors, qu'est-ce que ça dit? Autre question d'endurer une seconde de plus au bucket of fish. Les placards déjà peu reluisants ont définitivement lâché la patate. À l'instar des anciens employés, les aliments dont la fraîcheur était contestable, blablabla. Un gris médiocre, un gars il y a 10 ans, mais l'armée avait installé une porte devant l'entrée. Très bien. Je lis pas tout parce que... Franchement, c'est vraiment peu utile. Ah, mais c'était là-bas. Il y avait un passage en fait. Je meurs. Ah, oui, d'accord, et ça ramène à cet endroit-ci. Il doit y avoir un moyen. Wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. C'est que ça. On en parle de ce qu'ils ont fait là. J'avais pas vu. C'est quoi le nombre de zombies qui attendent de l'autre côté? Ouah, par contre, hey, j'ai des frises, frère. Mais c'est que dans cette zone, hein. Dans cette zone, j'ai des frises. J'en avais pas avant. La critique a dîné et puis est partie à toute hâte. Pour pister. Je suis en salut là. On s'est retourné au-dessus. L'héliport, donc du coup ça va être l'avion. On va aller voir. Hein. Je suis à deux doigts de me dire que je vais redémarrer le jeu parce que j'ai l'impression vraiment que là il y a un problème. Ah, j'ai un truc qui charge sur mon PC.
Ça doit être parce qu'il parle de l'héliport, donc pour moi c'est l'avion qui a fait Scratch. Parce que Scratch rouge, par là, non? That'll be something around here. Je suis vraiment en mode de... c'est la déche de tout quoi. Non c'est un choix, je vais les redémarrer parce que c'est un... je vais terminer ça et puis je vais redémarrer de l'autre côté. On va peut-être essayer de terminer injouable. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est pété comme ça. Hein. Pourtant j'optimise toujours tout. Hein. Dès que je sais que je vais jouer machin. Je fais toujours le maximum pour avoir rien qui tourne en l'instant. Être tranquille quoi. Et être sûr non pas avoir de soucis, mais là à mon avis le jeu qui mal démarré. Hein. J'avais déjà des soucis avant, à croire que cette zone optimisée un peu avec les fesses. Stop! Fuck this shit! On va juste avancer un peu parce que le problème c'est que j'ai clean et après je vais me retrouver. Je vais me baiser si jamais je m'en vais maintenant. Uh-oh. Poor hungry critic guy. Alors. Waouh. Le pire Gael est aussi pitoyable que son nom est trivial et idiot. Juste mauvais, il se donne le nom de Gael, mais la plupart des plats en font un tour par le micro-ondes avant d'être servi. Et le micro-ondes est en panne, donc c'est immangeable. Car même si le pilier Gael, pardon, prétend servir des produits frais, ça aussi c'est un vil mensonge, parce que c'est du surgelé, et la bouffe surgelée c'est pas bon. Et je n'ai pas le temps d'attendre que ça décongèle, j'ai mangé ce que je pouvais, mais j'ai encore tellement faim. Ah oui d'accord, ouais, en fait il est en train de défoncer les différents restaurants. Je veux du gras, du gros sointant, et surtout je le veux vite. Le genre de viande dont personne ne sait trop d'où elle vient. Where did he go now? Il était affamé. On est en train de suivre un mec quoi, qui s'est fait de la... qui aime bien manger. Ah c'est emmerdant, hein. Franchement là, les lags... sa grosse merde à chouin. Pourtant quand j'ai lancé je trouvais que ça allait bien. Je suis vraiment désolé. Je vais redémarrer, ça va être catastrophique en début de vidéo. En mauvaise forme. Nothing here. Ah si vraiment. On n'a pas la caisse de Luigi. Stop that. Oh. On a un autre restaurant. Je vois pas d'autres restaurants qui auraient pu être ouverts. Oh, du soin temps, où est-ce qu'il aurait pu aller? Ah, le hot dog snack, peut-être? Chac. Je suis limonade. Mais ta mère! Putain de freeze! J'en peux plus! Je vais aller redémarrer, je sais, mais je vais terminer d'avoir cette quête-là avant que. Avant de redémarrer, parce que sinon, les combats, les machins et tout, je sais pas ce qui va me faire reprendre. Je suis pas sûr des saves. Lien familial, au cher journal, je n'ai pas fait ça depuis que je suis gosse, mais je crois que c'est le bon moment. Ces dernières semaines m'ont vraiment ouvert les yeux. Avant, je ne faisais qu'exister. Maître Bouloudoudou, j'étais comme anesthésié. Je m'éloignais de plus en plus de Kate. Jayce ne quittait jamais son téléphone et Benji pensait que c'était tout sauf cool d'être vu avec son père. Ma vie était comme une grande spirale qui menait à, je sais pas, rien. Mais tout a changé.
On refait des promenades en famille. Tuer des zombies est devenu une activité qui resserre nos liens. Jazz les attire, Benji s'attaque aux jambes, Kate les attrape par derrière et moi j'arrive avec le marteau et je leur éclate le cerveau. Tout le monde pense que j'assure, Kate ne me lâche plus d'une seule. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à notre famille. Merci les zombies, je vous revaudrai ça. Ah bon bah... Au moins ça a été utile pour des gens. Hein. Alors du coup c'est pas là? Je vois pas de... Je vois pas où ça s'appelle. Ah c'est par là si en fait. C'est bien ce que je pensais, le point s'était dépassé. Putain mais c'est lui. Oliver, je serai un d'esquiver tout à l'heure parce que ça serait pas lui quand même. Hey man, face up for the rest of us. Monsieur, vous êtes fat. Encore un gros. Évidemment, si on parle de bouffe, il faut être plus gros. Mais ta mère! Mais j'en peux plus. Je frise de délicatesse et de mort. J'avais pas le temps de faire quelque chose, carte à sauver. Mais le problème c'est que si en fait je reload maintenant, en fait ce qui me fait peur c'est là où il save. Je sais pas où, comment sont les saves. Ils save ces endroits-ci. Something's chowing down round back. Hey man, save some for the rest of us. C'est une catastrophe. J'ai jamais eu le jeu qui a aussi mal tourné de toute ma vie depuis que je suis. Depuis que je joue hein, en 20 heures de jeu, j'ai jamais vu le jeu aussi mal tourné. Alors là je peux pas croire que à mon avis il n'y ait pas un truc qui tourne en arrière-plan. Quoi, j'ai pas de soins? J'ai pas de soins? D'où j'ai pas de soins? Il y avait un soin là. Ah mais frère, t'as vu le nombre de zombards qu'il y a dans la zone? Ah madame, lâchez-moi, j'ai pas envie de vous faire un canon. He had to be the guy. What was his final verdict? Je suis en train de câbler ma grand-mère. C'est insane à manger. Mangez viande, mangez. Ah ouais d'accord, il a vraiment câblé en fait, hein. Il est en train de se transformer. Allez, on va se poser, je vais redémarrer ce jeu de mort là. Vérifier qu'il n'y a pas un truc, je suis quasiment sûr qu'il y a une mise à jour et tout s'est déclenché. Putain, mais en plus je vérifie toujours, je vérifie à chaque fois que je lance un jeu. Je vérifie qu'il n'y a rien en arrière-plan. Mais là, vu les gros lags, les gros freezes que j'ai, je peux pas croire qu'il n'y a rien. Mais forcément un truc. Ah bah oui, Rita. Ah, on a un marchand qui est là. On va pouvoir faire le point après. Attendez. Et je vous retrouve après un bref cut de mon côté. Alors le jeu était bien possédé, buggé. Alors en fait, il s'avère que en fermant le jeu, en fait, le jeu a carrément crash. Donc en fait, je pense vraiment que le jeu a assez mal lancé au départ. Donc là, j'ai testé, je me suis un peu baladé sur la plage, machin et tout. Ça avait l'air d'aller, mais c'était vraiment catastrophique. Je suis désolé pour ces 10 premières minutes de vidéo complètement pétées. Normalement c'est fonctionnel à nouveau hein. Vraiment je pense, enfin, c'est vraiment le jeu qui s'était mal lancé. On va aller faire cette quête secondaire qui est là-bas. D'abord on va aller vider nos poches chez lui là. On va aller lui refiler tous les trucs de merde qu'on a. Hop, achète ma merde. Comme ceci. Tac. On va d'abord faire une chose qui est... Merde, où est le... L'établi, là-bas. On va réparer ça. Mais là, attends, il y a des choses en fait qui sont même pas... Ça, c'est mes armes principales, on est d'accord. Awesome.
Et la batte, je peux pas la vendre. Ah non, c'est vrai que c'est une batte spécifique. J'avais déjà essayé, puis je peux pas. Ça fait partie des armes bien particulières. En vrai, ça on pourrait les vendre, je vais pas l'utiliser. Alors ça non, à mon avis ça c'était une arme, ouais, le corbeau c'était une arme. Ouais. Ouais, parce que ça sert à rien de garder des armes que je vais pas utiliser quoi. Même si elles sont un peu améliorées et tout. Et j'aimerais voir, est-ce que je pourrais faire une mise à niveau ou pas de certaines choses. Égaler niveau. Et j'ai deux carabines automatiques, carabines automatiques. Ouais. On a pas mal d'effets, faut vraiment que j'apprenne à les utiliser un peu plus. Ici, est-ce qu'on a moyen de changer certaines choses? Infliger un coup critique et une chance de déclencher un impact. Tuer un zombie donne de l'agilité. Tuer un zombie restaure de l'endurance. Plus la santé est basse, plus l'effet augmente. Hécatombe. On va laisser ça. Moi, je vais essayer de, ouais, de les changer un peu. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Résistance modérée. Parce que là, il y a moyen aussi d'arriver à faire quelque chose de sympa. On augmente les damage. Moi, je prends, j'aime bien. On continue. Colère sanguinaire. Franchement, ça, je vais le prendre à chaque fois. Ça, ça devrait être sur toutes mes armes. Parce que colère sanguinaire, une fois que tu passes en colère sanguinaire, je veux dire, c'est vraiment le mode invincible. On a encore une arme bleue, mais malheureusement, j'ai pas de pompe violet encore. C'est un peu dramatique. Par contre, je viens de me dire, ça, c'est à 3 emplacements quand c'est en violet, 2 quand c'est en. Mais alors, en légendaire. Et on va aller lui refiler plein de trucs parce que là, regardez ça, je suis blindé. J'ai trop de choses à ces endroits-là. Donc ça, on va lui redonner. Par contre, ça m'énerve franchement de devoir spammer ma touche là. Là, je n'ai pas fait un système genre juste tu restes appuyé, ça marche. Je comprends pas comment ça se fait. Ou alors molette peut-être. Non, même pas. Non, on est vraiment obligé d'appuyer, de spammer la touche. Je trouve ça un peu con. Pas de scrupules. Vu comment est-ce que je suis blindé. Oh, c'est long. Vous l'entendez mon clic de souris là? J'aurais pu faire les choses un peu mieux. Hein. Voilà, il y a vraiment une touche que je ne connais pas, mais. Ah! Ouais, non, pas non. C'est la touche. Oh, mais je suis obligé aussi de spammer. Oh, vendre plus. Ah, tu vois, même ça, ça fait qu'une fois. En fait, ils ont mis qu'une fois. Genre, cliquer, tu peux ne vendre qu'une fois. Enfin, ça va un objet, quoi. Tu peux pas rester appuyé et puis faire défiler les chiffres. C'est ça le truc, en fait. Tu peux pas avoir de glissière non plus. Ils auraient dû mettre un système de glissière ou quelque chose du genre, en fait. Ça, ça a été un peu mal géré. Je comprends pas comment ça se fait que ça a été géré comme ça. Allez, on se dépêche.
Alors ça sert un peu de thune, on va pouvoir récupérer à nouveau des objets avec ça. Parce que là vraiment j'ai fait beaucoup de pertes depuis le début. Non, oh, la vache, le nombre de 99 que j'ai. En fait je pouvais plus rapporter quoi. Ok. Ah, ça y est, je vais pouvoir reprendre plein d'objets, plein de choses. Très bien. Muy bien. On va du coup, cependant, par tout est-il à tout est temps, aller du coup faire cette énième quête secondaire, avancer un peu. Toi, je vais te piquer ta race. Bam! Motherfucker! Hop là! Non. Ah nanana, là tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas qualifié pour parler de mouton comme ça. Pas de couche, beaucoup de couche. Efficace et pas cher, c'est ma grenade que je préfère. Non, ça je retourne là où on était avant. Non, le point est par là. J'ai vraiment la barre en haut qui m'indique, mais je suis vraiment un glandu. Alright. Un rapport provisoire de tophage, mécanisme vecteur. Il y a beaucoup de choses à lire. CNC, des services d'urgence du CDC, Colorado, Dr. Fenber, Centre CDC, Monica 1, zone de la quarantaine, l'aéroport, l'autophage se propage grâce au vecteur principal, la contamination du système circulatoire humain. L'autophage modifie le comportement et la morphologie de l'hôte pour y parvenir via l'un des deux sous-vecteurs suivants. Injection via l'agression physique, exemple mort sur griffure, coup de perforant, absorption via contact avec les lésions épidermiques, sous-vecteur les plus courants avec peu de modifications physiologique requise pour parvenir à ses fins, bien que certains variants d'autres progressent au stade 2 et deviennent morphologiquement spécialisés. D'accord. Produire un fluide, vous avez appelé la bicostique, un mélange d'alcadis autophagien, blablabla, les propriétés corrosives. Ok, bon, du coup, il parle d'autophage, de la façon dont il se développe, dont il se modifie. Il m'a frappé. Ok. Interesting. Rapport provisoire du mécanisme vecteur. L'autophage propose grâce à un vecteur principal. L'autophage modifie ce comportement. Et non, ça on l'a déjà eu, non? C'était celui-ci. Non? Ouais. Ouais, donc en fait il parle de la manière dont tout ça est amené. J'ai la flemme de lire. Là, je vous laisserai lire ça de votre côté. Alors, il y a des moments j'aime bien, il y a d'autres moments là c'est bon. On bat un peu la flemme. C'est vrai qu'en fait c'était le truc qu'on n'avait pas pu faire. Mais normalement il y avait un deuxième dôme. Hein. Attends. Mais non, celui-ci on l'avait fait, non? C'est bizarre. Ou alors c'est à pop après. Mais. Ah non, normalement on a fait tout le dôme, ouais, parce qu'on avait fait un cercle. Et on était revenu. Oh hey, an audience! Hi audience! Hey look!
Ah, Dez. Holy shit! You blew him the fuck up! Bah nickel, elle aussi elle aime bien tout faire péter, visiblement. Hi Dez! Well, hi yourself. Who are you? Carla. Hannah told me to come check up on you. What? Oh, Hannah's such a worrywart. I just got caught up in my experiments. You guys are all really into this mad scientist vibe. Yeah, fair. Look, long story short, I looted a grenade launcher, and I think I can make some pretty cool grenades with the stuff around here. I couldn't find a couple things on my shopping list yet, but I got enough to test the concept. A grenade? Launcher? Hell fucking yeah! You know, since you're here, you could join in on the field testing fun by herding zombies into the proving ground. Encore un truc, il va falloir jouer les appâts. Like, I haven't got the mix right on some of the chemicals, so... Bon après, il y a encore des explosifs, donc c'est marrant. I'm already 1000% in. Don't try and stop me. I'm going right now. Okay, west side, west side. Here we go. Oh! Now the other rap faction. East side for the next explosion. On va éclater du zombie. Yeah. Running kind of low on my prototypes. Better make him count. North now! Tout north! Pété. Ah, shit! Like I'm out that. Of boom! But I have learned a fuck ton. If you can take care of the dregs there, I think my original idea will work. T'inquiète, je m'en occupe bien, Guette. Crache à la gueule, hein! Parce que moi, je te crache à la gueule, fils de ta mère. C'est moi, il prend pas de balle. Ah si. More! More crazy explody shit! You said you need extra stuff to make more grenades? Oh, right. Well, I came here looking for four things, really. I already got a hold of two of them. And you saw the results. Fuck yeah! We cannot stop there! One of the other two is... You're gonna think I'm nuts, but... It's like zombie parts. There's a weird zombie in the main dome, see? And some of them have like extra goop or organs in them, and those. Oh, no worries. I know all about weird zombie parts. Kinda an expert, actually. Dans zombie. You are? Oh my god, we have got to share notes later. Okay, I was also looking for some Mother of Satan. Mother of Satan, la mère de Satan. Is that a cocktail? TATP. Oh, c'est can you root through the quartermaster's documents for where it's stored while I keep looking in the main dome? I'm already there. See you back at the dome. Donc ouais, pour moi ce dôme on l'avait pas fait. Donc là du coup on va avoir l'occasion de fouiller visiblement. Oh, j'ai une note. Hein. Satan stuffs in storeroom 3. Okay, back to Dez in the dome. Page appris à son inventaire avec les lieux de stockage. D'accord, triple skin de tritracétone. Petite explosion à la tête, Eh, dis, c'est efficace, hein. C'est pour ça que j'ai mis dessus, parce que par les autres armes, je vais pas vraiment le faire, mais avec ça. Grand moyen de faire que des têtes avec ça, si je gère bien. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de façon. Ouais madame. Oh. Je suis à court de munitions.
Ouais. Et j'étais marre parce qu'il y a vraiment des choses qui se récupèrent tout seul et d'autres non. Je comprends pas pourquoi, tu vois. Si vous avez mis un système d'aimantage sur certains objets, mettez-le sur tous. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est comme ci, comme ça. Confinement actif. Pas parfois que je vois ça. Ouais. C'est vrai que ce dôme là en fait on y avait tout la qualité donc c'est bien ce que je me disais. Bah si on y était. Objet. Bah, j'ai paré ses couilles, il m'a déboîté. C'est quoi ce zombie de la mort là? Je vais t'enculer ta daronne en fait. Je vais te faire découvrir la mère de Satan dans pas longtemps. Hein. Tu vas aller la rejoindre. Hein. Tiens, alors, comment ça va? Cerveau électrisé quoi. Oh, oh no, that thing ain't getting up from that, no sir. Monsieur, madame, vous êtes tous morts. Damn, you are just 31 flavors of ass kicker all at once, huh? Come here, let's compare data and see what we got. Tranquillez de retourner à la phase base des lynx de façon triomphante. I thought Rav and Bozzy were blowing smoke up my ass, but I take it all back. Du coup, on a bien fait tous les deux. J'avais pu y accéder, mais en fait. I'm all about hype, man. The Satan stuff you wanted is in storeroom 3. You cool to grab it? Absolutely. Oh, we should call in and let Hannah know. She can stop hyperventilating into a paper bag or whatever else it is she does for fun. Oh shit, yeah. I'll call her now. Hannah, it's me. I found Dez. She's fine. We blew up some zombies. Hi! Fuck! I thought the radio silence meant... Ooh. Fuck. I'm gonna rip a strip off her narrow ass when she gets back. Uh-oh. She's there? She heard that? Good. Fuck. Look, you've done right by me. By all us Bobcats. So, I'm gonna do right by you. I found a code for a locked box or chest somewhere around the Lotusville Mall. No way, Hannah! You're parting ways with the Mystery Apocalypse goodie box? I thought you were planning a whole op around snacking it. Well, you earned it. A couple times over. I think you'll be happy with what you find. I've hijacked a scope to push the info to your phone. Damn! Neat! I think that's my cue to grab my loot and get back to the canals. Thanks again, though. It's been a fucking gas. Literally the best day ever. Stay cool, Bobcats. See you when I see you. Allez, les lynx. Conversation d'assurance du voyage. Pause. Du coup, on a besoin de quoi pour récupérer ton coffre mystère, Dez? Pourquoi est-ce qu'on se donnerait la peine? Il y a plein de trucs à récupérer par ici. Voilà, on va avoir besoin de temps et de cellules grises pour planifier et préparer. Il est de l'autre côté du Ocean Avenue, au centre commercial de Lotusville. Il est de l'autre côté du Ocean Avenue, au centre commercial de Lotusville. C'est à cause de ce qu'il a impacté. C'est la propriété personnelle de roulement de tambour, s'il vous plaît. Jeune inventaire génial qui est devenu milliardaire. Et c'est pas tout caricatural. J'ai nommé Toby Shark. Quand le bordel a commencé, il s'est héliporté ici pour améliorer tous les équipements qu'ils ont pu larguer. Attends, le T-Shark. Et à la minute où tout a commencé à foirer, ils ont évacué direct dans l'autre sens avec sa bite et son couteau. Ouais, quel désastre médiatique. Ça aurait été bon. Ça aurait été. Bon, t'as gagné. C'est définitivement une boîte trop valable. Où il enfermait tous ces trucs géniaux, il a sûrement prévenu de revenir la chercher après l'apocalypse. Oh, une boîte mystère post-apocalypse zombie. Mais devinez qui a piraté ses mails rien qu'avec des smartphones et ses deux pouces. Vu qu'on peut pas avoir tes pouces, je veux des preuves. Mince mec, bref, on doit trouver un coffre verrouillé par un code de haute sécurité dans une zone de système de communication avec une vue dégagée. Pas loin du Sailing Hotel. Dans le centre où il est bivouaqué.
Je crois que je sais où est-ce que c'est. Et du coup, mode électrocuteur au corps à corps supérieur, on a la version triple. Ok, donc du coup, on a fait les quêtes secondaires qui étaient disponibles, on n'a plus qu'à retourner là-bas. On a une cache ici, mais je peux pas l'ouvrir, je crois. Je vais vérifier, mais je crois pas avoir eu de clé. Et il nous reste la cache de l'OFD aussi. Comment je fais pour ouvrir? Je peux pas ouvrir. Ah, je suis obligé de sortir. Par là. Ah, elle est pouvée du site ici. J'ai déjà vu ça quelque part. Je l'avais déjà vu. Donc, mis à part les clés, les caches. Oh, athlète de la plage. Oh, t'as forcément un truc pour moi. Ah, ouais, j'ai craché du caustique, c'est vrai que j'avais ça maintenant. Alors, clé du kit de sauvetage. Je sais pas du tout où est-ce que c'est. Ah, on a plein. Compétence d'autophage, c'est une relation toxique. En colère sanguinaire, les attaques au corps à corps infligent liquéfier aux zombies, mais dépensent plus de colère sanguinaire. Pas sûr du projet. Surtout que c'est déjà utilisé, je trouve frappe d'en haut. Un bonus majeur de dégâts de force, ça fait monter la colère sanguinaire. Je prends pour en taper un sur l'autre. Mutiler un zombie donne des bonus modérés de dégâts. Alors, les clés kits de sauvetage. Là, on a vu que c'était la poêle du CDC. Alors, je sais pas. Ah, ça doit être. Ah, bah, c'est là, à mon avis. Hein. C'est la cache qui est là. Je vois que ça. Parce que c'est la boîte de Louis V. CDC, on a vérifié. Donc, à mon avis, c'est ça. Ça va être là où on va aller. En plus, je me suis dit, avec un peu de chance, on va peut-être croiser le zombie nous permettant de débloquer l'autre cache. Attends, j'ai envie d'aller voir son compte. Je suis persuadé qu'il y a un zombie là-bas. Persuadé. On peut y trouver l'autre en train de se défoncer. Ah, c'était pas sous ce ponton là, il y avait un autre cachette ailleurs. Bah non, bah c'est de la merde. Je ne sais pas du tout. A mon avis, la poubelle du CDC, la clé doit être par là, j'imagine. Ça doit être un des types qui doit se cacher là. Il y a aussi. Clé du local photo qu'on n'a pas trouvé. Bon, au moins, déjà, on aura une clé. Ah non, c'est le casier de Randy. Ah, c'est peut-être. Il y avait peut-être une cache ici en haut. Ah, c'est celle-ci. Mode de sauvetage. Mode créateur, mode crémateur, corps à corps supérieur. Waouh. Ouais, parce que du coup. C'est embrasé. C'est la version upgrade. Je suis en train de me dire, est-ce que ouais, je les ai jamais. Je vais essayer si j'ai bien les dernières versions. Parce que des fois, j'ai pas changé le truc depuis un moment.
Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas pensé. Parce qu'en fait, finalement, j'étais déjà des choses, on va dire, de mise. Mais vu que j'ai des versions améliorées, il faut vraiment que je pense à aller les faire évoluer. Hello, this is Hannah. Can you hear me? I got something fun for you. Quoi? Anna? Anna Montana? Ok. C'était nul. Mais on a deux quêtes ici. Deux quêtes disponibles, what the fuck. Voilà, je viens d'entendre la radio. Bah j'ai rien. Je sais pas pourquoi j'ai deux quêtes disponibles ici. On va retourner là-bas. Hein, au Sailing Hotel. Alors je suppose que la cache post-apocalypse zombie de Temor, c'est celle qui est vraiment juste devant. Quand on était tout en haut, il y avait de l'équipement matériel militaire de Temor là. Et je me souviens qu'il y avait peut-être une cache ici, effectivement, avec un code. Je vois que ça. Ce sera pas la cache du Sunny Hotel parce que c'est clairement autre chose. Mais clairement ici, ouais, il y avait un truc et tout à récupérer. Ouais, les caches se font petit à petit. Hein. Bah, en fait, avec les quêtes secondaires qui nous demandent en fait à chaque fois de revenir à certains endroits, de faire certaines choses, on croise les zombies. Après, bon, clairement, il va m'en manquer et je n'arriverai pas à ouvrir toutes les caches. Il faudrait que je repasse globalement dans les zones, voire même que je m'aide à l'aide de guide pour bien m'indiquer là où sont les zombies pour éviter de passer 1000 ans. Je crois que c'est là. Là, il y a de l'équipement militaire. En plus, avec une vue. Une grande vue, c'est quasiment sur. Ouais, tu vois, c'est ça, un boîte mystère. Lucky day, Carla. Dents de requin. Papa. Moi j'apprends tout ce qui vient. Ah bah il y a une quête secondaire ici. Ça m'énerve le point blanc, mais c'est quoi de mon bugué? J'ai pas eu de clé. Je sais pas les vérifier. Il faudrait que je refasse un tour. Je sais pas, je le dis. D'aller faire un tour dans l'encyclopédie, les différentes. Ouais, j'ai deux quêtes disponibles à l'acheter. Je comprends pas pourquoi. Disparition de Shane. Missing lifeguard, huh? I could do a trip to the beach. Alors, avis de recherche. Non, Shane, vu pour la dernière fois, il bosse à la cabane des sauveteurs numéro 17. Il n'arrêtait pas de se plaindre que ça puait les égouts dans le coin. Information est supplémentaire. Shane est sauveteur à Venice Beach. On voulait le contacter avant l'évacuation ce soir. Voir si ça allait, une histoire personnelle, mais on n'arrive pas à le joindre par téléphone. Si quelqu'un le voit, essayez de lui dire que ses amis le cherchent. Si vous avez le moins d'informations, essayez de nous contacter. On va aller voir le petit Shane. Miles crawling again. Damn. Zombies love shopping. Ouais, à mon avis, on va avoir aussi accès à de nouvelles zones. Le truc numéro 17. Le truc numéro 17, je viens de dire. Enfin, le. Comment ça s'appelle? Le poste de numéro 17. Je crois qu'on n'y avait pas accès. Ou peut-être que si, en fait, après réflexion. Parce qu'il y en avait un où on avait la quête avec l'autre tocard, qui est décédé d'ailleurs, qui est mort. Hein. Je me demande si son cadavre est toujours là, ou s'il se balade. Est-ce que du coup il s'est zombifié? Oui, c'est sûrement zombifié, c'est sûr. Probablement. Un nombre de boissons énergisantes que ce serait en pied. Inventaire plein. C'est celui qui est en bas, ouais, de ce côté-ci. On avait une cache en plus. Cache, cache, plus de cache. Cache, cache, plus de cache. Je vérifie qu'il n'y a pas des noms. Hein. C'est pour ça que je m'arrête, mais je les tape pas parce que j'en ai rien à péter. Ça c'était vraiment gratuit. C'est quoi ça? Autophage, c'est un cocktail explosif en colère sanguinaire. Les attaques au corps à corps déclenchent des explosions. Ah, mais ça utilise plus de colère sanguinaire. En fait, t'es beaucoup plus violent, mais avec un laps de temps plus court. Et franchement, je préfère que la colère sanguinaire reste longue et qu'on se fasse vraiment plaisir plus longtemps. Plutôt que de raccourcir, surtout que je trouve déjà la colère sanguinaire vachement énervée quand même. Après, ça pourrait être utile face à des boss. Ça, c'est juste un baveux, donc on va pas les taper.
Hunter livreur, il va me courser, c'est sûr. Tout que je vais taper. Shane's hut. Smells like clue territory. Déjà j'ai pas dans les chiottes. A mon avis on va avoir les clés de la cage pour lui. Hein. World's worst offer. Lisa... Alors Shane, j'ai 0 barres sur le téléphone, j'espère que tu trouveras cette note. Je sais qu'on a dit qu'on évacuait, mais TJ dit que la Rèche cherche des volontaires pour aider les gens à embarquer dans les petits bateaux. Et que ceux qui aideront seront emmenés par les airs après. Ça me paraît beaucoup mieux, je sais que tu ne tiens probablement pas dans ton cœur en ce moment, et moi non plus avec, mais je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, tu nous retrouveras à la cabane numéro 18. Hein? Nowhere next. À mon avis, on aura du coup les clés de cette cache, hein. C'est sûr et certain. Parce qu'on le trouvera du coup mort. Comme d'habitude. Donc évidemment ça va être l'autre cabine qui est là-bas, tout là-bas, au loin. Et aussi dans les égouts il y a une porte et tout qui s'ouvrait de l'autre côté. Alors peut-être que la chute de la caisse va peut-être m'emmener dans ce endroit-là. Ça m'étonnerait parce que déjà ils vont déjà d'aller faire un détour là-bas, après on sait jamais. Ouais, alors toi t'es vraiment con. Ça va, je croise un pompier qui n'est pas en surpoids. Baveux. Brace. Merde, il est immunisé, j'avais pas vu. Ah bah il fait du feu. Merde, je vais taper avec comment. Big guy alert. You're Nell, huh? Ah Nell, sauteuse. Perk of the job. Should have listened to him, girl. Donne un dégât d'électricité en coup infligé aux zombies. Plusieurs coups déclenchent un choc électrique qui inflige l'électricité aux zombies. So what went down at Lifeguard HQ? Nell, je ne vous ai pas trouvé. J'espère que tu auras ce mot. C'est de la folie de rester. Tu as vu ce qui se passe? L'armée ne pourra rien contre ça. Personne ne croira rien. Apparemment, certains des autres veulent aussi se porter volontaire. J'ai demandé une réunion au QG. Je vais essayer de les convaincre. Pas la peine d'essayer sur mon téléphone. Je crois qu'il ne marche plus. Et pas la peine de rester à ton poste jusqu'au bout. Sois juste là pour la réunion d'ici soir. On t'oublie. On oublie tout ce qui s'est passé. Moi non plus, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Shane. J'ai pas eu de clé ni quoi que ce soit, je suis déçu. Quoi, hein. Alors, ouais, il y a ça. Il y a plein de plans. Les journaux, ça commence. Quête, oui. Inventaire, oui. Alors là, qu'est-ce qu'il modifie? Ah oui, les bras tranchants. Les tissus régénérateurs. Dégueulasse. Magnétique du silicie, d'accord. Boîte de rose, bucket of fish, clé de sauvetage, Preston. Ok, donc non, on n'a pas eu de clé précisément avec l'autre. Dinde requin. Il nous manque un objet à lancer. Et donc, l'objectif est là-bas. Attends. Des sauveteurs. Mais du coup c'est avec Santa Monica en fait. Je
Chris nous font balader entre Santa Monica et ici, c'est abusé. Je suis persuadé que parmi les flics, on va à un moment donné avoir celui qui a la clé. Non. Ouais, j'aurais bien voulu choper une autre clé cache. Un trimar. Blocage. Ouais, finalement, j'ai jamais enlevé les trucs, les tutos. J'aurais pu les enlever, puis je me suis habitué. Saoule un peu, hein, mais. Vu que j'ai désactivé complètement, en fait. C'est beaucoup crap, j'étais en honnête. Et tic-tac, tic-tac. Bon, du coup, ça aurait été une vidéo 4 secondaires, c'est pas plus mal, hein. Mais j'ai 3 quêtes là-bas, je compte pas. A mon avis, ça va repop. Hein. Parce que j'avais 2 quêtes secondaires, 3 quêtes secondaires présentes et il m'en affiche encore 2. Là, j'en ai une troisième avec celle que je suis en train de faire, je pense. Mais ça me paraît bizarre de pas avoir eu d'autres quêtes secondaires. Quelque chose me dit que ça va bouger. F, entrer dans la partie. Ou alors il y a un affichage peut-être. Je sais pas. That lifeguard who died, Bert Michaels, came to my shop sometimes. Saved some kid from a riptide years ago. Real local hero. Popular with the ladies. Oh yeah. This makes a lot of sense. En fait, le plus de sauter, en fait, c'est le spawn, en fait. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, moi. Ah bah oui, c'est sûr que... C'est sûr hein, qu'il pouvait être que fat. C'est vrai que c'est marrant quand même de toucher du coup. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné de beau? On sert à d'emporter des effets d'état nuisibles, un bonus de majeur de dégâts. Shane, une lettre froissée, Tiginel. Vous avez arrêté la réunion. Je tente un dernier truc. Je prends mon bateau et je tire. Je mets les voiles pour Santa Barbara. Ou plus loin s'il faut. Ça pour être en sécurité. Tizi, je t'emmène aussi, même si tu es un immense connard. Personne ne mérite d'être bouffé vivant. J'attends au port de plaisance jusqu'à midi, puis j'y vais. Nel, j'espère que tu viendras, Shane. On a eu une clé du coup? Ah, un peu de clé. Oh, j'ai cru. Non. Il y a juste un morceau d'organe que j'ai oublié. Très bien, on a fait cette quête là. Mais alors moi du coup... Ah ça, il y a un tableau des missing. Je comprends pas pourquoi est-ce que... On me dit... bro, il y a des quêtes secondaires. Ici, parce que vraiment, il est en train de me dire qu'il y en a un. Et je vois pas où est-ce qu'elles sont. L'acheter, il y a 2 quêtes disponibles. Je vois pas où est-ce qu'elles sont. Là, j'ai 2 quêtes disponibles aussi. Ici, il me reste combien? Une quête histoire et 2 quêtes secondaires. Ça se trouve, c'est celles qui sont là, je ne sais pas.
Bon, on va s'arrêter ici. On va retourner au Sanning Hotel. Et puis la prochaine fois, on va attaquer le principal. Alors attends, est-ce que j'ai deux quêtes? Donc la tête, j'ai encore une autre quête secondaire. Je l'ai écouté, je pensais que j'allais avoir les clés. La cage du sauveteur, mais alors pas du tout. Ou alors je l'ai loupé, mais Nail, j'ai tué, j'ai rien vu. Tigi, je l'ai tué. Il restait peut-être l'autre, en fait, je vais me dire, l'autre connard là. Ici, il n'y a pas d'autre quête. Il me reste 3 caches. Donc je n'ai pas les clés. Bah ça en vrai, vire-le. Ça, c'est la dent de requin, donc effectivement, en fait, je peux pas le virer. Objet à collectionner, encyclopédie. On a aussi le défi, tuer 25 contaminés brûlants, 11 sur 25. Révélé quand vous avez appris plus sur ce zombie. Ah oui, d'accord. Les traînards ne sont plus que des misérables carcasses, mais ils ne sont pas moins dangereux en grand nombre. D'accord, en fait, on a des infos et tout une fois qu'on a terminé. C'est pas mal, hein. Donc là, les contaminés brûlants, 11 sur 25. Les sprinters brûlants, 28 sur 50. Contaminés électriques, on a bientôt fini en vrai. Hein. Ça se fait plus rien en fait, hein. C'est juste tuer. Hein. Donc globalement, vu comment est-ce qu'on en croise tout le temps, les trucs sont vraiment pas galères. Il y a moyen qu'on termine tout, hein. Vraiment. Voilà, j'ai l'état des caustiques. La chair rongée et tout. Enfin, ils sont un peu flous, je sais pas pourquoi. On les a tous, du coup on a tous les types de zombies maintenant. Ça en a fini. Ah tu vois même eux en fait, hein, on a quasiment fait la moitié, voire on a quasiment fini. Et il m'en manque que deux encore. On avait le boucher, bien casse-couille. Mais il en reste. Parfait, bah écoutez, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à mettre de j'aime, n'hésitez pas à commenter, aller voir les audios, les autres let's play. Prochaine fois, on apporte le Blue Drive au Dr. Reed et on voit la suite de notre épopée, de la façon dont ça va se passer, puisqu'il va falloir du coup, une fois qu'on a progressé d'ici, les rejoindre, j'imagine, je suppose, quelque chose du genre. On n'est pas loin, hein. Je crois qu'une fois ça fini, on aura fait 20 quêtes sur les 24. En termes de stats, on en est où? Alors Beverly's 2, 4, 2... Ici, à mon avis, Blue Drive, ça va compter comme une. Ça va m'en compter une ici, donc il m'en restera une. Donc après, à mon avis, la dernière quête, ça va être pour aller dans un des derniers endroits. Pour attaquer, je pense, la dernière ligne droite, finalement, de ce jeu. Enfin, dernière ligne droite de l'histoire. Parce qu'après, au niveau des quêtes secondaires, pour moi, je crois qu'il en reste pas mal. On pourrait vérifier, hein, en vrai, il faudrait juste que je fasse menu principal. Ah, non, il y avait statistique. Peut-être que c'est affiché dans statistique. Je suis débile, je viens de le voir, le menu statistique. Peut-être qu'il me l'avait mis dans statistique. Statistique. Les statistiques. J'aime bien avoir à chaque fois une idée globale de là où on en est. 19 sur 24, donc à un moment donné, on va avoir terminé la 20e quête histoire. 19 sur 33. Ah, en fait, on a fait pas mal de quêtes secondaires. Je pensais vraiment en fait, qu'on a fait la moitié. Mais en fait, on a fait un peu plus. Il nous en reste 14 à faire. Et les objets, on a fait la moitié aussi. Donc en vrai, on est pas mal. Après, progression des défis, c'est tous les défis avec les zombies. Donc en vrai, les défis de zombies, quand tu regardes, en fait, on les a quasiment tous faits. Hein. On est quasiment arrivé à terme à peu près tous les défis. C'est-à-dire que là, avec les deux dernières zones et en faisant les autres quêtes secondaires, je pense vraiment qu'on va avoir moyen de terminer tout ça. Et on sera, à mon avis, proche aussi de finir. Il n'y a pas encore de New Game Plus, je crois, dans le jeu. Hein. Ils n'ont pas mis. Hein. Justement, je crois que c'était, ça faisait partie des choses dont les gens se plaignaient. C'est pas de New Game Plus. Tiens, il est là en fait. Il est pas dans le menu table, il est dans le menu échappe. Je crois que je l'avais vu en plus. Plan trouvé 60 sur 85. Journaux 131, 234. Défi 69. Ok. Ouais, des zombies défi éliminés. Mais tu vas en avoir beaucoup qui vont aussi. En fait, ça c'est super facilement quoi.
Ok, bon. Eh bah parfait. Eh bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour continuer notre épopée, notre aventure. Je vous dis à la prochaine, je vous dis. Ciao, ciao!